Salut Fabrice, bonjour. Si tu avais un souvenir fair play, un beau geste que tu as pu observer sur le cours, en dehors du cours, en tant que joueur ou même dans la vie d'une manière générale, le fair play c'est universel. Ouais, j'ai toujours en mémoire le geste de Mats Wilander en demi-finale de Roland-Garros lorsqu'il il a gagné le match mais il rend le point à son adversaire. Donc, c'est un geste qui n'existe plus aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Et puis le fair play c'est un ensemble de choses, effectivement c'est avoir une bonne attitude sur le terrain mais c'est aussi donner le maximum par respect pour le public qui vient voir un spectacle. Voilà, et puis c'est être exemplaire avec les gamins, c'est être rigoureux dans son travail, c'est beaucoup de choses. 20e tournoi, t'es un bel exemple et t'es un bel ambassadeur aussi quand même. Ben, fair play. Oui, disons que combativité, c'est un mot qui revient souvent lorsqu'on parle de moi et de mon attitude sur le terrain, donc c'est certainement ce qui m'a permis de durer aussi longtemps. Merci.